mardi 13, jour de chance pour tous ceux qui se trouvent à Saint-Rémy ce jour-là. C'est la grande feria de l'été qui débute par la matinée des enfants. Nos gardiens en herbe défilent fièrement sur leurs poneys, tandis que la Peña la Gardunin fait résonner ses cuivres et ses tambours et virevolter son danseur coiffé d'un haut de forme et revêtu d'une cape. Pendant trois jours, la rue s'anime de nombreux spectacles, parmi lesquels des lâchers de taureaux, des défilés de gardiens et d'arlésiennes, bref, tout ce qui tourne autour de la bouvine provençale. En voici quelques images. Les tout petits étant mis à l'abri dans une cage, on va pouvoir faire sortir les taureaux de la leur. C'est l'abrivado bandido, c'est-à-dire un aller-retour des taureaux sur un petit trajet entouré des gardiens de la manade. Ici, ce sont d'abord les enfants qui montrent leur agilité et leur courage. Débute ensuite la course dite des petits bons. Et je donne après ce premier spectacle, la feria est officiellement inaugurée. 2010, à Anthony qui va vous le montrer, la clé de la feria 2010. Voilà. Le lendemain, la fête continue avec un défilé de gardiens et d'arlésiennes, suivi d'un nouvel abrivado et d'une course de taureaux dans les arènes portatives. La bête est plus grosse et il y a moins d'amateurs pour venir la titiller. Dimanche 15 août, c'est l'apothéose. Nous assistons à un défilé très coloré de gardiens, d'arlésiennes, de musiciens, de fouetteurs et surtout d'un cortège d'une cinquantaine de chevaux richement harnachés, tractant une charrette de verdure, la Carreto Ramado.
c'est le dernier tour, après ils vont descendre. Bonjour à Nicolas. Cette jolie fête camarguaise se termine par une grande rousse à taillot, c'est-à-dire un lâcher d'une centaine de juments et poulains, escortés par des cavaliers de la manade.